Voici le rêve de Daniel Morin à 12h22. Et aujourd'hui est une journée spéciale, mes amis. Aujourd'hui, les copains, c'est... C'est la journée internationale du don d'organes. Oh, quelle magnifique journée, une journée sous le signe de la générosité et du partage. Qui, un jour, ne s'est pas dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir trop d'organes dans le corps. Je me sens à l'étroit. C'est l'occasion ou jamais de faire un don. Pour être tout à fait honnête, moi, le don d'organes, ça me fait un peu peur. Du coup, hier, quand je me suis couché, mon sommeil était quelque peu perturbé par des rêves agités. Dans mon rêve, j'étais chez moi en train de regarder les championnats du monde de kung-fu, catégorie nain-albinos, quand d'un seul coup, on frappe à ma porte. J'ouvre et là, un gars m'apostrophe. Bonjour, je viens pour la journée mondiale du don d'organes. Non, non, merci, je suis pas intéressé. Mais c'est la journée mondiale, faites un geste. Allez. Je comprends, mais c'est que je les aime bien, moi, mes organes. Ça fait plus de 50 ans que je vis avec, on s'entend super bien. Donnez-nous un rein, juste un rein, c'est rien. Enfin, quand même. Je vous enlève ça en 2 minutes et c'est fini. Je sais pas. Vous savez, monsieur, quoi ? Dans le monde en ce moment, il y a sûrement quelqu'un qui a besoin d'un rein qui fonctionne et vous en sera éternellement reconnaissant. Bon, d'accord, mais vite fait. Merci, monsieur. Et c'est vrai que c'était pas douloureux. Et en plus, si ça peut rendre service. Au final, j'étais plutôt fier de moi. Et c'est donc le sourire aux lèvres que j'ai regardé les quarts de finale des championnats du monde de kung-fu catégorie nain albinos. 5 minutes passent, on retoque à ma porte. J'ouvre. Bonjour, je viens pour la journée mondiale du don d'organes. Non mais vous êtes gonflé, vous êtes passé il y a 5 minutes, je vous ai donné un rein. Mais pas du tout. Non, non, c'est la première fois que je vous vois. Vous êtes sûr? Absolument. C'est bizarre, j'aurais juré vous avoir donné un rein. Non, non. Surtout qu'en ce moment, j'ai plus besoin de poumons. Ah non, pas les poumons, un rein je dis pas. C'est petit, mais un poumon c'est énorme. Mais c'est la journée mondiale. Faites un geste. Allez. Je comprends, mais j'adore mes 2 poumons, moi. Je vous demande pas les 2, juste un poumon, c'est rien. Ah bah quand même, je vous enlève ça en 2 minutes et c'est fini. Bah je sais pas. Vous savez, monsieur, quoi ? Dans le monde en ce moment, il y a sûrement quelqu'un qui a besoin d'un poumon qui fonctionne. Et vous en serez éternellement reconnaissant. Bon d'accord, mais vite fait. Merci, monsieur. Et c'est vrai, ça n'a pas duré plus de 2 minutes. J'étais étrangement content de mon geste, content car j'allais pouvoir regarder les demi-finales des championnats du monde de kung-fu, catégorie nain albinos. Pas le temps de m'extasier devant les ralentis, on refrappe à ma porte. Oh, j'ouvre. Bonjour, je viens pour la journée mondiale du don d'organes. Non mais vous êtes gonflé, vous êtes passé il y a 5 minutes, je vous ai donné un poumon, 5 minutes encore avant, j'en suis sûr, je vous ai donné un rein. Mais pas du tout. Pas du tout monsieur, c'est la première fois que je viens ici. Vous êtes sûr? Affirmatif. C'est bizarre, j'aurais... Non. Surtout qu'en ce moment, des poumons et des reins, j'en ai plein. Non, ce qu'il me faut, c'est des pénis. Ah non ! Un rein, je dis pas. Un poumon, why not ? Et puis, il y en a 2 à chaque fois. Mais le pénis, non, j'en ai qu'un. Monsieur, c'est la journée mondiale. Faites un geste. Allez. Moi, je comprends, mais j'adore mon pénis. Honnêtement, monsieur, oui. Vous vous en servez beaucoup de votre pénis ? Bah, un peu, quand même. C'était quand, la dernière fois ? Bah... En fait, Non, la dernière fois que je m'en suis servi, j'ai payé en francs. Ah bah, vous voyez, ça vous sert pas à grand-chose, au final. C'est pas faux. Allez, je vous enlève ça en 2 minutes et c'est fini. Oh, je sais pas. Vous savez, monsieur, quoi ? Nagui vous en sera éternellement reconnaissant. À demain. Tout ça pour ça, je suis sûr. Je suis parti de la fin.